Merci. Merci. Voilà, on va terminer la première côte. Un truc genre 140-150 mètres de dénivelé positif, mais très long, la courue là, on est bien placé dans le peloton, genre milieu, bonne petite vitesse, on est tous les trois, donc c'est nickel. Ça va les gars? Ouais. J'ai pas entendu. On a joué d'un côté de l'eau. Bon, on a une bonne vitesse hein, quand même, je me souvenais pas la vitesse qu'on... Vous avez quelque chose à confesser les gars? Voilà, 22e kilomètre en route vers le premier ravito, à mon avis il devrait bientôt arriver. On a fait la course ensemble jusque là. Niveau douleur et tout, bah ça va, ça se passe bien. Quelques petites douleurs musculaires, mais rien à voir avec des blessures. Et c'est cool, il fait bon, donc ça se passe bien. Bon, vu que ça dure. Enfin, au premier ravito. Donc première partie assez cool. On a bien couru quand même, j'ai l'impression. Un peu les jambes toutes dures, mais sinon ça va, les sensations sont bonnes, il fait super beau. Petit ravito bien sympathique, mieux que l'année passée, ça c'est clair. Donc là, je m'étais pas rendu compte en fait que j'avais pris un petit peu d'avance sur les autres, j'étais un petit peu dans ma bulle. Donc j'ai redémarré avant eux, parce que je commençais à me refroidir. Parce que même s'il y a du soleil, il fait quand même, c'est quand même pas hyper hyper chaud. Qu'on fait rien, en tout cas, qu'on court pas. Là, je pense qu'on se dirige vers le boc. Donc, vivement le boc, hein. Et vivement surtout que les sensations continuent encore comme ça, parce que là ça va bien, c'est beaucoup de plaisir. Et voilà, c'est gai. Sortir du boc, donc là on a un pur node. On est nouveau sur cette putain de longue ligne droite insupportable, léger plat, enfin plat légèrement montant, vraiment super long, super chiant. J'avais espéré kilomètres plus dedans, j'ai trop mauvais souvenir de cette bête ligne droite de merde. Ben voilà, elle est bel et bien là, donc il va falloir se la faire. Partir maintenant, je regarde plus trop les kilomètres parce que commence à devenir un peu dur dans les jambes. Ben ça va, ça tourne encore vachement bien. C'est quand même la montrer un petit peu cette sale ligne droite de merde. Notre aux alentours de 35 km, j'espère, donc la moitié. Mais ça commence à pas faire mal un peu partout, mais c'est normal. Mais voilà, quand il faut courir, je cours encore. Putain, je me demande où est-ce que je suis. Oh, putain, je serais trompé de chemin quoi. Je vois plus de flèches nulle part. Mais merde. Bon, je crois que c'est bon. Je crois que c'est... Ah ouais, on l'a une. Donc voilà, allez. Sinon, ça va, ça roule. Bon,
a passé la barre symbolique des 42 km et voilà, ça commence à devenir dur quand même. Donc vivement le ravito qui donne dans 6 km quelque chose comme ça. Et cette fois-ci je m'arrêterai quand même un peu plus longtemps. Je parle moins fort parce qu'il y a beaucoup de monde maintenant. On a rejoint les autres distances. Et donc ouais, ça le fait pas quoi de parler tout seul. Et moi, je sais pas où sont les autres par contre. Je sais pas, ça tombe, ils sont juste derrière. Enfin ouais, je verrai bien. Au ravito. Bon voilà, ravito du 50 qui est sur le 46, 82. Donc il reste plus que 24 km. Bon, il y a des crampes. Donc j'espère que ça va aller mieux, mais voilà, on va dire que c'est le mental qui a pris la relève depuis un moment maintenant en fait. Alors bon petit ravito là, il y avait de la soupe, il y avait du pain, donc c'était nickel. J'ai pu m'asseoir un peu, donc ouais voilà, maintenant on n'est que jamais qu'à 47 km, donc ça veut dire qu'il en reste 22, 23, 24, ouais il reste un bon 25 km quoi. Je dois être à 50 quelque chose, 52, 53, quelque chose comme ça. Enfin, du moins, j'espère. J'espère que je suis pas en dessous. Je fais mon deuxième gros coup de mou officiel. Donc là, j'espère que les jambes vont revenir quand un petit peu. Sinon, voilà, j'ai activé le mode rando. Je vois qu'il y a beaucoup de. Quelques coureurs devant moi qui sont. Qui ont l'air un peu dans le même état. Qui alternent un peu course et. Course et marche, donc ouais, j'espère quand même que je vais voir. Ah bah il y en a qui courent là, putain salaud, oui il est jeune pour ça, et j'espère que je vais avoir quand même un petit retour de jus. On va voir, là je vais reposer un petit peu en marchant, ça monte légèrement, c'est chiant là, c'est une route, et je vois après ce qui est possible de faire. Je me disais il y a quelques minutes qu'on était vraiment dans des chemins mais super dégueulasses. Et puis j'ai réalisé en fait que c'était les chemins de chez moi. On est à Donné en fait ici. Donc voilà, officiellement à Donné, on a les chemins de trail les plus dégueulasses de la région. Et bon, ça fait bizarre d'être si près de chez moi. Là il se met à pleuvoir en plus. Magnifique, magnifique. J'ai réussi à courir. Donc il y a de l'espoir que ça revienne encore quelques fois. Un petit coup de compote bao et c'est reparti. Donc là je vais enchaîner les compotes bao. Non j'en ai plus, j'ai d'autres trucs. Mais voilà, on approche. Hein. Oh c'est la grêle, super. Pas mal de messages qui me disent t'approches de la fin. J'imagine que c'est vrai, mais pourtant, putain, je sais où je suis et je sais que la fin est encore loin. Pas loin. À 12 km. Qu'est-ce que c'est 12 km? Ouais. Putain là. Enfin je recours, c'est déjà ça. C'est déjà pas mal en soi. Et ça monte même.
franchement, je me prête. Là, je commence à faire de la merde. Oh putain, ils vont arriver quand même. Mais quelle balade, waouh. On est sur les hauteurs d'Annevoie, en tout cas bientôt. Et donc ouais, on se rapproche. Maintenant, j'imagine qu'on va encore se taper au moins une bonne petite côte. J'ai quand même pu relancer quelques fois, donc ça c'est cool. Donc là, j'ai bien avancé au niveau kilomètre. Maintenant, là, j'ai les jambes en feu, putain. À nouveau, quoi, je sais pas si... En fait, chaque fois que je lance et que je cours, ça va, mais c'est le fait de relancer, quoi. De se dire vas-y. Enfin, je dis ça va, c'est un grand mot, quoi. Petit ça va, mais ça marche quand même. Mais là, je suis pas sûr en fait que ça va encore aller. Bon. On va te faire la petite raide de cette Meuse là. Juste avant la fin. Elle fait mal. Oh la vache. Qu'est-ce qu'elle fait mal. Je sais pas s'il prévoit encore un petit tour. Ou si c'est du direct jusqu'à l'école. Moi si je dois voter, c'est direct jusqu'à l'école. Allez, plus qu'une descente. On y est là. Reste quoi, 500 mètres. Ah, c'est dur. Et il grêle. Ah, trop cool. Putain, je commence à prendre le tour de ta fin. Merci.